Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 10 novembre 2022. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé « Femme réfléchie à l'envers ». Donc, « Femme réfléchie », c'est une femme de sagesse ou de compréhension. Alors, à l'envers, eh bien, cette carte pourrait représenter une période difficile pour votre développement personnel. Vous vous sentez peut-être perplexe par rapport à votre raison d'être ou vous êtes déconnecté de la voix de votre cœur. Ça se pourrait aussi, n'est-ce pas? Eh bien, on vous invite à regarder en vous et à ouvrir vous ouvrir à votre guidance intérieure. On vous invite à vous fier à votre intuition. À vous fier à votre intuition concernant ce que vous devez apprendre pour pouvoir avancer. Vous avez peut-être besoin de faire comme l'ermite. Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées et puis vous avez besoin davantage d'éléments. Donc on vous demande de vous fier à votre intuition. Vous savez que votre première intuition est toujours la bonne, n'est-ce pas? Il y a peut-être une problématique à ce que vous vivez présentement. Eh bien, la femme réfléchit à l'envers, ça veut dire qu'elle ne réfléchit pas, n'est-ce pas? Qu'elle va foncer tête baissée. Donc, on vous demande de prendre du temps et de suivre votre intuition. C'est important parce que la situation est telle que vous ne pouvez pas prendre une décision tête baissée. Alors, cette carte, elle pourrait aussi indiquer, par exemple, une femme qui vous induit en erreur ou qui vous donne de fausses informations. C'est pour ça qu'il est important que vous vous écoutiez en sachant qu'il y a peut-être dans votre entourage une personne qui vous induit en erreur ou qui vous donne de fausses informations. Soyez conscient et établissez des limites. Rappelez-vous, n'est-ce pas, que votre âme est toujours votre meilleur guide. Ne l'oubliez jamais. C'est pour ça qu'on dit, voilà, qu'on dit souvent, ben, la première impression qu'on a, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Ça c'est, voilà. Quand vous êtes face à une situation, vous avez une impression qui vient au plus profond de vous-même. Et cette impression, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Donc, et c'est ça qu'on vous dit. Fiez-vous à votre intuition, à votre impression que vous avez. Parce qu'elle dit, elle est souvent dans le bon, n'est-ce pas? Elle est très, très, très rarement négative. Elle est toujours positive, cette première impression et cette intuition que vous avez. On a l'intuition de. Donc, cette intuition, ben, il faut la garder. Vous devez en tenir compte pour avancer. Et méfiez-vous, hein, puisque bon, comme cette carte est je l'ai pigée à l'envers, méfiez-vous des personnes qui pourraient vous induire en erreur, qui pourraient vous donner de fausses informations. Attention à ça.
Il faut vraiment que vous preniez vos renseignements avant de dire et de faire quoi que ce soit. Ne vous fiez pas à ce que cette personne pourrait vous dire en tous les cas. Donc voilà, cette femme, elle réfléchit à l'envers et comme affirmation, alors pour aujourd'hui, j'ouvre mon esprit et mon cœur à ma propre sagesse intérieure. Je suis attentionnée, concentrée et claire. Donc voilà, c'est une carte qui vous met en garde vraiment parce qu'elle est à l'envers, n'est-ce pas? Message de ton âme, transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Bien voilà, transmuter votre message de votre âme. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.